Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il est l'heure du premier update de mon Project Fan 2024. Alors, l'update n'est pas si folle que ça, alors j'ai quand même un empties, mais sur les 15 produits sur lesquels je travaille, c'est vrai que je m'attendais forcément à avoir beaucoup plus d'évolution. Mais par contre, je suis contente parce que j'ai réussi à trouver un équilibre entre utiliser beaucoup les produits qui sont dans mon Project Fan, mais aussi utiliser tous les autres produits de ma collection, parce que le but c'est pas de juste utiliser que ces produits là jusqu'à ce qu'ils se finissent et pas utiliser les autres, voilà. Bref, l'aparté étant fait, on va pouvoir faire le point sur les 15 produits que j'essaye de finir cette année. On va commencer par les produits qui ne sont pas du make-up, ou pour le coup c'est un fail, voilà, je préfère vous prévenir. Le vernis Essie, le Treat Love and Color, c'est un vernis fortifiant, je ne l'ai pas utilisé une seule fois parce qu'en plus je n'ai pas arrêté de me ronger les ongles ces derniers mois. Voilà, j'ai bientôt 27 ans, enfin je suis plus proche des 26 que des 27, mais bref, j'ai 26 ans et j'arrive pas à ne pas me ronger les ongles quand je suis stressée. Donc voilà, je n'ai pas remis de vernis, c'est honteux, et du coup il en est toujours au même point, voilà. Et ensuite pour les deux produits skincare, donc le gommage purifiant de chez Yves Rocher et le masque à la myrtille et à la prune de chez Action là, je les ai utilisés je crois 3 fois, c'est tout. Donc c'est pas comme ça que je vais les finir. Mais je sais pas ce que j'ai eu là en ce début d'année. J'ai perdu toute habitude de faire ma skincare hebdomadaire. Le week-end, pensais à faire mes masques. Apparemment, mon cerveau a refusé de me le rappeler. Voilà. Ou alors, je m'en souviens, il est 23h le dimanche, donc il est plus l'heure de faire les masques. Ensuite, pour les produits... Pour le coup, ce concealer de chez MUA Makeup Academy, le Pro Base Full Coverage Concealer, il avance très très bien. Alors là, ça va pas se voir parce que du coup, je viens de l'utiliser, donc il est un peu touillé dans tous les sens. Mais je pense que j'en suis à peu près ici. Et franchement, ça avance très 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 bien, je suis contente. Il y a même des moments où je commence à racler sur les côtés. Donc ça sent très très bon, il y a moyen que d'ici le prochain update, j'arrive à... quasiment le finir. Je sais pas si je vais réussir à le finir, mais j'aurais peut-être déjà enlevé le stopper, voilà. Mais je suis très 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 contente de très bien l'avancer, parce que il y a beaucoup d'autres concealers là qu'il faut que j'avance après celui-ci, voilà. Pour continuer avec les produits crème pour le teint, il y a donc le bronzer stick de chez Milk Makeup en teinte baked, il est à peu près interminable. Alors j'ai déjà plusieurs fois tourné parce qu'en fait je l'utilise au pinceau, je le mets pas directement sur ma joue. Ce que je fais c'est que vraiment je prends un pinceau et je prélève la matière et après je l'applique. Donc ce qui fait que j'ai pas besoin de constamment le remonter ou le redescendre ou voilà. Et du coup je sais que je l'ai remonté plusieurs fois, donc je suppose que j'en ai quand même utilisé une partie, mais il reste tout ça. Je suis à peu près sûre de pas le finir. Mais je suis contente parce que le fait de le mettre dans ce Project Pan, je l'utilise. Parce que je sais pertinemment que s'il n'était pas dans cette trousse Project Pan, je ne l'aurais pas utilisé une seule fois sur les 3 mois qui viennent de passer. Ensuite, un produit où je pense que ça commence vraiment bien à creuser, c'est le Cheeks Out de chez Fenty Beauty en teinte Petal Poppin. Alors, le packaging est dégueulasse, par contre, je commence à avoir un joli creux. Enfin, vraiment, je sens que ça se creuse et j'ai bon espoir de réussir à hit pan d'ici peu. Je suis très 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 contente. J'aime beaucoup l'utiliser, je le redécouvre et vraiment j'adore. En fait, j'aime bien le mettre en base et après... après avoir poudré mon teint, je mets un autre blush poudre par-dessus et je trouve ça génial d'avoir cette petite base un peu rosée pour après mettre d'autres teintes. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, je le redécouvre, je suis ravie. Ensuite, niveau palette pour le teint, il y a la Hoola Beach Vacay de chez Benefit. Alors, ça avance, hein, ça se voit pas.
Mais ça avance, franchement, doucement mais sûrement. Alors, je suis à peu près sûre de pas toucher le pan cette année. Ou alors, vraiment, je serais très surprise. Mais franchement, ça avance. Enfin, on voit qu'ils sont bien utilisés, surtout le Oula. J'ai plus utilisé le Oula que le blush Shelly. Non, je trouve qu'ils commencent à avoir vraiment une tête de produit utilisé. Donc, je suis très contente. Ensuite, il y a la Opulence Face Palette de chez Zoeva. Alors, j'avais déjà deux bons pans. Par contre, je suis contente parce que je les ai agrandis. Celui du blush, il s'est assez vite agrandi parce que je pense que la pellicule autour du pan est très fine. Et pareil sur le highlighter, ça creuse quand même plutôt pas mal. Là, je suis en train de me concentrer sur le coin là pour essayer d'avoir tout ce coin là vide. Ce serait chouette, mais voilà. Pareil, doucement mais sûrement, on va finir par y arriver. Mais j'adore, j'ai redécouvert cette palette parce que pour le coup, depuis la dernière fois qu'elle était dans mon project pan, je l'avais quasiment pas utilisée. Donc là, le fait de la ressortir dans un project pan, ça fait que je l'utilise vraiment. Et je suis très contente. Ensuite, niveau fard à paupières, il y a le Frost Eyeshadow de chez MAC en teinte satin taupe. J'avais déjà un bon pan, mais il s'est encore agrandi. Je suis très très contente. Alors, ça se voit pas forcément, mais je me suis concentrée sur les contours du pan. Et du coup, je pense que... Même si là on voit pas trop le progrès, je pense que ça va vite arriver là. Je suis très contente. Et deuxième fard à paupières mono, c'est ce fard à paupières de chez Kiko. C'est le Color Lasting Creamy Eyeshadow en teinte 03. Et pour le coup, celui-ci, il est bien bien creusé. Alors, je pense pas réussir à le finir avant qu'il sèche parce que je sens bien qu'il a... Il a quand même un petit peu changé de texture depuis que je l'ai acheté. Donc voilà, déjà si j'arrive à toucher le pan ou au moins à l'utiliser, ce sera bien. Malheureusement, je pense que les fards en peau crème comme ça, ça sèche quand même assez vite. Donc c'est dommage. Mais je continue à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit vraiment complètement mort. Ensuite, ce mascara de chez Emma dans la gamme Before Anything Else, le Lash in a Tube. J'ai utilisé quasiment tous les jours depuis le début de l'année et je sens qu'il y a moins de matière dedans, mais ça prend du temps. Alors il est bien, mais je l'utilise pas tout seul parce que tout seul ça a un effet trop naturel à mon goût, enfin, ou en tout cas j'aime pas trop le résultat sur moi. Par contre, dès que je l'utilise avec un autre mascara, là j'ai un mascara que j'adore mais qui commence sérieusement à sécher, et quand je l'utilise tout seul j'ai très peu de matière, donc en fait je peux pas le mettre tout seul, donc je fais un combo des deux et j'adore le résultat. Donc voilà, c'est comme ça que j'utilise ce produit-là, mais je sens qu'il y a beaucoup moins de matière dans le tube qu'avant, donc j'ai bon espoir de réussir à le finir. Ensuite, niveau produit lèvres, j'avais donc 4 produits lèvres. Un de ceux que j'ai sur moi, le rouge à lèvres de chez MAC, le Matte Lipstick en teinte 607 Lady Danger. C'est donc un rouge à lèvres rouge. Et bon, il n'y a pas grand progrès visible, hein. Je l'ai utilisé je crois 5 fois. Ce qui est déjà pas mal pour un rouge à lèvres rouge pour moi. Mais je suis pas sûre de le finir, hein, même s'il est tout petit. Parce que c'est tout simplement une couleur que je mets quasiment pas. Alors déjà au quotidien j'en mets pas, mais le week-end je mets pas forcément ça non plus. Parce que j'aime bien travailler les yeux. Donc aujourd'hui, enfin généralement, quand je me décide à mettre ce rouge à lèvres là, je me maquille d'abord les lèvres et après je me dis ok, qu'est-ce que je peux faire sur les yeux. Je suis désolée si la luminosité change, mais il y a les 4 saisons en une journée aujourd'hui, donc je fais comme je peux avec ce que j'ai comme luminosité dans mon appartement. Ensuite, deuxième rouge à lèvres MAC, c'est le Lustre Lipstick en teinte 501 Capricious. Et celui-là, je trouve que je vois le... Enfin, il a quand même bien avancé depuis la dernière fois. Alors pareil... J'ai du mal à me dire que je vais réussir à le finir d'ici la fin de l'année, mais pourquoi pas. En vrai, c'est un rouge à lèvres que j'arrive assez facilement à utiliser, même pour aller au boulot et tout, donc en vrai, si je me concentre vraiment à 1000% sur celui-là, je peux le finir. Mais c'est juste que comme j'aime bien utiliser plein de rouges à lèvres différents, c'est vrai que me focus vraiment sur un seul et même produit, j'ai un peu plus de mal. Ensuite, second produit que j'ai sur les lèvres, parce que du coup j'ai mis un gloss par-dessus le rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Fenty Beauty Gloss Bomb en teinte Sweet Mouse. Et il en reste vraiment plus beaucoup.
Enfin, je crois que je suis à peu près là, quoi. Prochain objectif, c'est de le finir. Je pense que c'est largement faisable. Et du coup, mon empty, c'est l'autre gloss que j'avais mis dans ce Project Pan. C'est le Lip Maximizing Gloss de chez Emma, qui est complètement vide. J'ai même enlevé le stopper. Enfin, vraiment, je pouvais pas utiliser plus de produits. Voilà. Et trop contente de l'avoir fini. Je ne pense pas la racheter, parce que même s'il est bien, c'est pas une texture de gloss... Enfin, c'est pas la texture de gloss que je préfère, voilà, tout simplement, je la trouve un petit peu plus épaisse que ce que j'aime. Donc, je ne le rachèterai pas, par contre, il reste très bien, mais c'est juste que j'ai tellement d'autres gloss que j'adore que, de toute façon, je ne rachèterai pas de gloss dans l'immédiat, voilà. Et du coup, comme j'ai fini un produit lèvres, j'ai décidé de remettre un produit lèvres, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une quantité astronomique de produits lèvres. Et j'ai décidé de... Pour le coup, j'ai tellement de produits challengeants que je me suis dit que j'allais prendre un produit assez petit et potentiellement plus rapide à finir. C'est cette miniature de chez Fenty Beauty. C'est le Fenty Icon en teinte Scholar Sista. Et c'est un tout petit rouge à lèvres. Et il est nude. Parce que du coup, j'en ai un autre mais qui est plus dans les tons rouges. Mais autant vous dire que le rouge, c'est pas ce que je mets le plus. Et voilà la beauté de ce rouge à lèvres. Vraiment, il est magnifique. Là, ça commence à sérieusement déborder mes tiroirs de rouge à lèvres. Donc, enfin de rouge à lèvres, produits lèvres, tout confondu. Donc, il faut absolument que j'arrive à en finir. Donc, voilà pour le rouge à lèvres qui est en remplacement du gloss que j'ai fini. Et on va pouvoir passer à ma petite palette où pour le coup j'ai quand même plutôt bien avancé. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas utilisé du tout que les produits de ce Project Pan. Et encore moins niveau palette, j'ai utilisé tellement de palettes ces trois derniers mois. Mais par contre j'ai quand même réussi à bien utiliser cette palette. Voilà à quoi elle ressemble. Alors de base je me concentrais vraiment sur Hit Pan, j'ai changé complètement la stratégie que je m'étais dit de base. De base je m'étais dit je veux Hit Pan tous les fards et après on verra si c'est faisable de tous les finir ou au moins d'en finir quelques-uns. Mais il s'est avéré qu'en fait en utilisant d'autres fards, enfin d'autres palettes, notamment pour leur fardiser, et ben je me retrouvais à vachement utiliser les fards mat de cette palette là. Et du coup j'ai décidé de changer de stratégie et de tout simplement utiliser un max tous les fards dès que je peux. Donc ça veut dire que là mon objectif c'est clairement de finir ce fard beige qui sera bientôt fini je pense. Et puis finir globalement ouais, les 6 premiers fards ici là qui, où c'est largement faisable de les finir je pense. Donc voilà, j'ai réussi à hit pan sur Warm Taupe quand même. Et c'est quand même à signaler. Et là je suis en train de me focus sur Cyprus Amber, le marron, que j'utilise pas mal en liner. Et je pense que d'ici quelques semaines il sera hit pan également. Et après il me restera plus que les oranges roses que j'utilise très peu. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis dit je vais pas forcément scinder les deux objectifs, je vais tout faire d'un coup. Parce qu'en fait je sais que les roses, rouges, oranges, je les utilise beaucoup moins, donc je vais avoir plus de mal à les finir, enfin ou au moins la hit pan. Donc par contre je pense que le tempera là il va bien vite descendre et je suis trop contente. Elle a vraiment bien changé de tête depuis la dernière fois et je suis ravie. Et ben voilà pour cet update de Project Pan. Franchement, vu les objectifs quand même très haut que je me suis mis sur ce Project Pan cette année, ça aurait pu être largement pire. Par contre, un peu déçue de moi pour les produits skincare, il faut absolument que je me démerde pour les utiliser parce que je sais que c'est des produits que je peux facilement finir. Mais non, franchement je suis contente parce que ça a quand même bien avancé. Je pense que d'ici la prochaine update, j'aurai potentiellement fini ces deux produits là. Parce que honnêtement, le gloss il m'en reste pas beaucoup. Et le concealer c'est faisable parce qu'en plus comme il est pas très couvrant, j'ai tendance à en mettre deux couches. En quelque sorte, donc voilà, je pense que c'est faisable, voilà, on va espérer. Et pourquoi pas réussir à finir ce rouge à lèvres là, alors peut-être pas d'ici le prochain update, mais je pense que d'ici le troisième update, ça devrait être faisable, donc voilà. Et si je peux réussir à finir mon premier fard dans ma palette, ça serait fou. Bref, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.